Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vitamines SDV en ce vendredi 5 mars. J'aimerais rappeler avec force ces paroles de l'apôtre Paul dans la deuxième aux Corinthiens qui a pu affirmer « Voici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes passent, voici que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. » Et ce renouveau, eh bien, selon certaines personnes, il sera assez long et prolongé. Il durera dans le temps, pour d'autres ce sera beaucoup plus instantané et immédiat. Et j'aimerais vous parler à cet effet de Sam Jones, cet Américain qui a vécu au 19e siècle, qui a participé à cette guerre fratricide entre le Nord et le Sud des États-Unis, cette guerre de sécession, et qui, après avoir été démobilisé de l'armée, va sombrer dans la boisson. Et ce penchant pour la boisson va lui faire rater cette carrière qui lui était pourtant ouverte d'être avocat, et il va poursuivre sa vie qu'à un cas avec beaucoup plus de déboires que de réussite. Et à un moment donné, il apprend que son père est malade à l'article de la mort à l'hôpital. Il va lui rendre visite et il trouve là un homme fatigué mais pourtant avec une énergie spirituel, extraordinaire. Ce chrétien convaincu qu'est son père lui demande de tourner les regards vers Jésus, de donner son cœur à Dieu. Il lui fait promettre de s'approcher de Jésus-Christ. Et le garçon, devant son père mourant, va hochpiner de la tête, va lui dire « Oui, je ferai cela ». Et aussitôt avoir quitté l'hôpital, il se rend directement dans un bar, et là, comme à l'accoutumée, il commande un verre. Sauf que dans ce bar, il y a une glace, et lorsqu'il relève la tête et qu'il voit l'homme qu'il a en face de lui, un homme dépenaillé, un homme aux cheveux crasseux, un homme qui n'est plus qu'une épave, eh bien, à cet instant précis, saisi par le Saint-Esprit, il rejette ce verre. Il tourne les regards vers Jésus. Il tombe sur ses genoux. Il se convertit. Une authentique conversion, une réelle conversion. Si bien que rentrant dans son foyer, il va retrouver sa femme et lui dit « Dieu te donne un nouveau mari et il donne aussi un nouveau papa à nos enfants. Mais pourrais-tu me pardonner ?» Et sa femme déclatait en sanglots en disant « Mais je prie pour ce jour. » Depuis si longtemps. Et voici que cet homme, eh bien, non seulement va connaître cette extraordinaire expérience de la conversion, mais après cela, Dieu va l'appeler à un ministère particulier. Comme son grand-père et son arrière-grand-père ont été prédicateurs, lui aussi, eh bien, va s'élancer dans la prédication de la foi. Et on estime qu'après de nombreuses invitations pour rendre témoignage de la puissance de Jésus qui guérit des addictions, qui guérit de toute addiction, eh bien, on estime que pendant son ministère, il aura prêché à quelque 3 millions d'Américains. Et le 5 mars 1899, il se retrouve dans la ville de Toledo, où là, il est devant un parterre, une foule nombreuse. Le maire est là et, chose curieuse, lui aussi s'appelle Sam Jones. Il fait d'ailleurs une blague à cet effet en disant qu'un autre Sam Jones était présent à la réunion. Mais l'ambiance va très vite retomber lorsque le prédicateur va prendre la parole et va dénoncer tous les lieux de débauche contenus dans la ville, tous les bars, tous les tripots, tous les cercles de jeu. Bien sûr, le maire va certainement avoir quelques sueurs froides. Mais les habitants sont convaincus, effectivement, que ces lieux sont des lieux de perdition. Et la ville, eh bien, va connaître un bouleversement, va connaître une réforme, va connaître un réveil, et ces lieux vont fermer, les gens vont se convertir à la prédication de Sam Jones. J'aimerais que nous rappeler encore ce matin que Jésus-Christ est capable de nous délier de toutes nos chaînes, est capable de nous affranchir, de nous libérer totalement. Si quelqu'un est en Christ, il devient une création nouvelle. C'est la réalité de l'Évangile. Je crois encore avec force et avec vous, je l'espère, que Dieu peut encore changer des vies.
Alors ce matin, avant de terminer, j'aimerais qu'on prie en pensant à une personne en particulier pour lequel, pour laquelle il y ait nécessité d'une intervention extraordinaire de la part du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es toujours le même et tu peux encore délivrer tous ceux qui sont retenus, captifs, liés dans les liens du péché, de la fange, de la boue du péché. Seigneur, nous affirmons avec foi encore ce matin que tu peux nous faire rencontrer de ces personnes afin de leur témoigner de ta puissance de délivrance. Merci Seigneur pour cette journée qui s'ouvre devant nos pas. Que ton nom soit béni. Amen. À bientôt.